face down, ass up. That's the way we like to feel. Re-bonjour pour l'épisode 12 de ce Let's Play sur Assassin's Creed 3. Unity, Assassin's Creed 3. Oui, tout va bien, Lucas. Oui, allez, on va se calmer. On va de suite baisser le son. Alors, c'est peut-être que ça va être mon casque. Ouais, ouais, c'est pour ça. Voilà. Alors. Si vous vous rappelez de l'épisode dernier, ben voilà, on essaie toujours ça, ne hein, vous inquiétez pas, ça n'a pas changé. Attendez, je vérifie un truc. Donc bonjour tout le monde, c'est Lugut, on se trouve pour le 12e épisode de ce Let's Play sur Assassin's Creed 3. Unity, excusez-moi, oui, ça va aller, Lucas, t'inquiète pas, ça va aller. C'est créé Unity. Ok, je vais mourir. Merci, mec. Alors là, on a un bug en fait, un petit problème, c'est que quand il y a d'autres mecs qui nous aident, mais c'est compliqué pour voilà. Combattre avec eux. Il y a l'autre qui a un orgasme dans la cour. Et toi, je sais, tu me repères. Oh, c'est chaud ça. T'inquiète pas. Donc, dans l'épisode dernier, en fait, j'avais un problème, c'est que je voulais à tout prix faire les épisodes, les trucs secondaires. Et on va essayer de faire même sans. Voilà. J'espère que c'était pas une lame furie. Oh putain! Oh les gars, je sais comment faire. Non, surtout pas. Attendez 3 secondes, petit appel important. Oui, excusez-moi. J'ai souvent des petits appels comme ça quand je suis en record. Et pile poil quand je suis en record. Jamais après, jamais avant. Pile poil. Toi aussi tu vas mourir. Hop là. Je vais te fouiller toi aussi, au cas où t'es des balles. Tout comme ça. Ah. Excusez-moi si vous entendez des bruits de Facebook. C'est en fait à chaque fois que je démarre mon PC, je joue Facebook. En fait. Voilà, et là ça me spam, hein. Là ça. T'as pas envie de me lâcher apparemment. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et le coup de grâce. Ah non. Vous allez bientôt la sentir, Hermine. Ah oui, je vais la sentir, oui. J'ai l'impression d'être encore dans une partie buggée, en fait, de recharger ma sauvegarde. En fait, je vous tente cette vidéo quelques heures juste après l'épisode précédent. En fait, je me suis un peu détendu. C'est juste ça. Mais sinon, c'est pareil. C'est... voilà. 90 francs. Ouh, sexy. Ok, on va alors pénétrer par la fenêtre.
3 secondes, petit problème technique. Voilà, c'est bon. Après un petit remède, des familles. Là, on va direct faire une petite vision d'aigle. Toi là. Voilà, c'est à ça que je pensais les gens. Et là, il me repère pas d'un poil. Philippe? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi, toi là-bas! Victoria, plus de geste! Voilà! Voilà ce que j'ai essayé de faire depuis dernier épisode. C'était simple. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Maintenant, le tout est de se casser! Ouais, toujours, j'ai toujours un cheval pas loin. Regarde, j'ai une jumper. Hop là, j'ai ralenti un peu la fenêtre. Oh putain, j'aurais pas dû passer par en bas. Allez, j'ai une jumper. Corps, corps, mon petit. Disparition, genre. Je suis arrivé à les larguer dans un pavé, quoi. À croire que tu as une patte folle. Oh, j'ai une patte folle là. Tu n'as plus que quelques secondes à vivre. Wow. On se calme. S'il vous plaît. Je t'ai vu. Et je vais t'avoir, toi. Je vais te rattraper. Non, mais le secteur il fait. Oh, ok. Qu'elle est grande. Je fuis le secteur. Venez anonyme. Hop là. Je suis passé anonyme. Voilà. Oh, portal. Pantalon. Mais on commence à gagner des trucs bien. Ah mais il était directement équipé. Putain, ça rajoute. Enfin, j'aime pas trop le haut, mais j'aime bien les bottes par contre. Et ça c'est quoi pardon, poitrine. C'est laquelle que je porte en ce moment? C'est celle-là? Non, c'est pas du tout celle-là. C'est celle-là, manteau de rôdeur. Ok. Ah oui, pardon, c'était la tête que je voulais voir. Tête. Ouais, c'est capuche de fantôme, donc c'est bon. On peut se faire un équipement fantôme, en fait. C'est bon, ben on va continuer l'émission, alors. J'ai oublié de lancer timer, donc je pense que ça fait... les 10 minutes. Si l'épisode est un peu plus court, je m'en excuse d'avance. Hein. Mission, 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 je suis où? Je suis là, mais on va y aller à pied.
Tu me caches des choses. Oh, tu vas le payer à ta vie. J'aurais pas eu les attaqueuses, c'est mes amis en plus. Oh, joli ça, double enchaînement. Voilà, ça c'est fait les gars. Oh là là, par contre là il y en a deux. Alors, ils sont quand même grandes les rues de Paris, hein, à l'époque. Ok. Tranquille les gars, allez-y squatter. Hein. Pas chez vous, mais tranquille. Vous aurez appris les dernières nouvelles à votre monde, dans la gazette. Ce n'est pas trop bon, du travail pour nos fiches. C'est amusant. C'est presque ce qu'il nous a dit. Oui, par contre, oui, ils vont prendre cher, quoi. La France commence à se révolter. Les alliés sont avec moi. S'il baisse sa garde, tuez-vous. Ça fera un imbécile dangereux de moi dans les rues. C'est ça, exactement. Ouais, ok, il y a une sortie là. J'allais monter sur la grille comme un con. Et toi? Ah, Élise. L'exécution. Ok. Exécution. Exécution. D'amener le roi. Général. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Séparons-nous. On couvrira davantage de terrain. Je suis bien d'accord. Moi comme ça tu me lâcheras un peu. Château des Tuileries. Ah, je le sais maintenant. Oh là là, vous avez pu me niquer. Château des Tuileries. Amenez le condamné. Et c'est le Panthéon derrière, voilà. Allez, je t'ai tout niqué. Oh, c'est l'air sympa. Un feu de joie, apparemment. Ah, une guillotine. Ah, ok. Mais en même temps, pour une exécution, c'est mieux une guillotine. On peut aussi faire un feu de joie. Assassiner, j'ai... Comme ça. Germain, c'est un peu le mec qui révise. Ah, les gens, on approche vraiment de la fin du jeu, alors. C'est peut-être même le dernier épisode. Oh. En tout cas, si c'est le dernier, ça aurait été vraiment un plaisir. Un esprit où j'aurais vraiment pris du plaisir par rapport à mes anciens, comme Far Cry 3. Où, voilà. J'ai pas forcément pris de plaisir parce que j'avais déjà fait le jeu avant et puis je m'en suis rappelé d'un seul coup. Donc, voilà. Alors, tireur tué. Alors les tireurs ils sont ok. Ouais. Je t'aurais prévenu citoyen. Je vais répandre ta cervelle. Mais genre il est pas mort. Non mais là je pense que je vais mourir en fait. Ouais. Alors, je vais faire un truc, c'est redémarrer au dernier checkpoint. Je me suis pris mal pris, je m'y suis mal pris, les gens, c'est tout. Y a pas un tortille du cul pour chier droit? D'ailleurs, j'ai jamais essayé. J'aimerais pas. Mais je pense qu'on pourrait essayer d'y aller en mode plus sur le côté, quoi. Là, oui, j'ai rapproché mon micro, c'est pour ça que vous m'entendez un peu mieux. J'ai pas vraiment trop de retour en fait, pour ça. Si c'est isolé, ça va.
C'est ouvert les combats, que ça me dérange. Hop là. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais qu'est-ce qu'un? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Genre, putain. Ok, donc là c'est des mecs faciles. Bon allez-y, tuez-moi les gars. Voilà. Je sais vraiment pas comment y prendre là. Ah, je sais. Va passer par les souterrains. Par contre, où ils sont les souterrains? C'est le truc. C'est que c'est bien de vouloir passer par les souterrains. Mais comment on fait? Là, y a pas un truc avec la carte des souterrains? Non, forcément. Quoi. Ok. Là, y a deux mecs. Je peux les tuer tranquille. Non, je peux pas les tuer tranquille. Excusez-moi, Facebook. Non, t'as rien vu, connard. Ah, ils sont juste là, les souterrains. Voilà, easy, easy, les mecs. On n'a rien vu. Mais y'a personne quand même dans les souterrains, ils sont pas aussi fous que ça. Y'a ce monsieur ou pas? Non, alors c'est bon. Par contre, on va avoir un problème, c'est que... Là. Là c'est se repérer après. Tac, tac. Tac. Oh yes! Cocarde. A savoir que la cocarde en fait est l'ancêtre de du drapeau français. Avant que le drapeau français soit érigé, ils avaient tout le monde avait une cocarde. Je pourrais mettre ma fumée. D'accord, non, ah non, j'avais plus. C'est bon, c'est pas un ouf, non. Plus. Voilà. Hop là. Et là, par contre, il est fouillé parce que j'ai vraiment besoin de remède. Putain, eux ils ont que 5 francs alors qu'ils sont ultra durs à tuer quoi. Tu vas mourir. Bon, par contre, des remèdes ils ont donc quoi.
Voilà, et allez, le dernier. Ah merde! Je peux même pas les tuer. Comme ça. Ah! Coucou! Bonjour Arnaud. Oh merde. Monsieur Germain. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de Delacer ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Peuple, je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de Louis XVI dont on m'inculpe. Ou Louis XIV. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est... rien de plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri de Molay. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Te voilà vengé. Petite anecdote, je fais la pause sur la cinématique. Louis XVI était un grand fan, ou Louis XIV, je sais plus lequel, était un grand fan de science, et en fait, la guillotine au début était une lame droite, elle était pas en biseau, et ça pénétrait mal dans la colonne vertébrale, en fait. Ça restait bloqué, et les gens souffraient, et surtout c'était très dégueulasse, apparemment. Et donc lui, il a vu avec des scientifiques de l'époque, bon c'est pas les scientifiques de maintenant, comment voir une meilleure pénétration de la lame dans le cou. Et bien c'est en taillant la lame en biseau, et c'est lui qui a inventé la lame en biseau en fait. Il a participé à l'invention de la lame en biseau. C'était juste une petite anecdote que je trouve assez drôle par rapport au contexte après qu'il a eu, il a pu la tester. Tu dois prendre congé. Profite de cette journée. Tuez-le. Oh non, pas gentil ça. Allez! Quelle belle entrée en scène! Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le! Je refuse de te laisser mourir. Et oui, c'est clair. Attaquez-le par derrière! Elise, il faut partir! Je m'occupe d'eux! Rattrape bien là! Attends, je dois protéger Elise, hein. Elise, non, hors de question. Dieu, tu vas me payer ça. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Suivre Elise. Vas-y, fais-toi plaisir. Bonjour, madame. Faut arrêter d'aller derrière les coulisses, hein. Ok. En voilà d'autres! Je m'occupe d'eux! J'attrape Yama! Tac, tac. Dépêche-toi! Prends-le en chasse! Ils n'en vaut pas la peine! Oh, joli, Elise! Non, les gars, j'ai l'épée la plus puissante. Tu ne peux pas en affronter autant! Ah, je vais les retarder! C'est le seul langage que tu comprennes! Justice. La loi est partiale, mais je reconnais. Elise, non! Là, je dois la suivre pour l'instant, je peux la protéger. La révolution, votre Oh, joli. Je fais un petit coup de valse avec lui là. Qu'elle n'approche pas de Germain! Elise, partons, c'est terminé. Je ne laisserai pas s'en tirer.
Je vais, mec. Merci les gars. Si j'aurais tué un de vous. Vous ne comprenez pas la soif de sang de la nation. Tous les coupables doivent payer. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ouais, je suis un pétard. Il a dû partir à pied. Piou. Chassez les ennemis de l'égalité. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Moi qui avais déjà mal à la tête. Ah, très drôle. C'est pas comme ça que tu gagneras. Elise! On a des choses beaucoup plus urgentes à régler. Dès lors que quelque chose ne regarde pas. Headshot. Ok, ça va bugger, je pense. C'est pas vrai! C'était notre seule chance! Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer, et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves! Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Elise! Elise! Récompense, mémoire terminée. On va faire un petit tour au niveau des compétences. J'avais combien? 8! Easy. L'âme fantôme améliorée. Ok. Non, mais oui, j'ai compris. Après, corps à corps. Ou si on s'en fout de corps à corps. C'était ça que je voulais. 9, ok. Et santé, ouais, santé, je veux par contre. 9, pareil. Ok. Bon, mais les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Donc, on se retrouve au prochain épisode pour peut-être la fin du jeu, on sait pas. Donc, à plus tout le monde. Tchuss!